Bonjour à tous. Et ouais, petite balade au niveau de la forêt. Regardez ça. Regardez comme elle reprend vite ses droits depuis la dernière fois où je suis venue. Vous pouvez constater que la terre n'a pas besoin de nous, mais que nous, par contre, on a besoin d'elle. Ah oui, c'est bien moi, je suis là. Alors, je sais pas combien de temps ça va durer cette vidéo parce que mon portable n'était pas en charge, j'ai oublié, bah ouais. Donc, bah écoutez, on profite de ce qu'il y a à profiter. Hein? Aujourd'hui, regardez, je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas si vous entendez, l'eau qui coule. Et ce silence, enfin un silence oui et non, parce que la nature est pleine de vie, la nature est pleine de bruit, silencieux, est-ce que ça fait du bien, ces bruits silencieux. Il y a les oiseaux, il y a la forêt, il y a les feuilles vertes. Il y a les feuilles mortes qui laissent place à la verdure. Et ça fait du bien. Or, je grimpe, je ne sais pas où je grimpe, mais je grimpe. C'est juste pour vous faire partager ces petits moments d'intimité, ces petits moments de plaisir, de joie, de se retrouver avec la nature et de se dire que elle est juste elle a raison et que tout vient d'elle, que tout part d'elle et tout revient à elle au final. Et oui, ça grimpe, hein. Voilà. Regardez, hein, mine de rien, voilà, eh ben, on continue, regardez, voilà le monde que... Voilà la réalité que je veux faire vivre au quotidien. Voilà ce que j'ai envie. Voilà. Ah, non, ils veulent pas que je passe par là. C'est pas grave, on va contourner. On va aller voir ailleurs comment ça se passe. Si je dois pas passer par là, c'est que je dois monter encore. Ouais, bon, on monte encore. Ah, tiens, petit chemin là. Si j'empruntais, ça serait pas mal. Hein. On va bien voir où ça va nous mener. J'ai pris une écharpe et puis au final, je sais pas si j'ai eu raison parce qu'il fait pas si froid que ça. Bien au contraire. Il fait un temps magnifique. Il y avait du vent sur la terrasse et puis finalement, il n'y a plus de vent. En forêt, il n'y a plus de vent. Donc,
peut-être finir par l'enlever, cette écharpe. Et on grimpe, et on grimpe. Et on grimpe. Voilà. Est-ce qu'on peut passer par là? Ouhouhou. Non, on ne peut pas passer par là. Là, on continue alors. On verra bien où ça nous mène. Il semblerait que tous les chemins mènent au même endroit, donc il n'y a pas de souci à se faire. Voilà. Bon. Ben voilà. Je vais me poser 5 minutes. Ah, j'ai montré. Forcément, fallait bien. Que c'est agréable. Que c'est agréable. Bah tiens, il ne veut plus me suivre de toute façon mon écharpe alors. Hein, on va le tenir quand même, parce qu'il va servir encore. On continue. On verra bien où ça va nous mener. Hein. De toute façon, ça nous mènera bien quelque part. De quoi vais-je vous parler aujourd'hui? Je sais pas. J'ai rien prévu. Rien de spécial. Si j'entends là. Méfiez-vous. Méfiez-vous des. Méditation collective. Méfiez-vous de tout ce qu'on vous impose. Tout ce qu'on vous impose ou que l'on vous fait croire qu'au final c'est pour votre bien. Méfiez-vous. Méfiez-vous parce qu'il se peut qu'il y ait quelque chose derrière. Oui. Quelque chose qui ne veut pas votre bien du tout, mais qui joue le jeu. Parce qu'au final, tout ça n'est qu'un jeu. Et vous savez, c'est un peu comme j'ai l'image d'un échiquier, d'un chic échiquier là. On est les pions. Que l'on avance au fur et à mesure. Et le premier qui a fait échec à l'arène a gagné. Bon, ceci étant, il y a quand même pas mal de pions sur un échiquier. Et de là à faire échec à l'arène, il y a du travail encore. Oui. Alors, je ne veux pas être trop optimiste, mais je ne suis pas pessimiste. Je me dis que, qu'en fait, ce qu'on vit, alors, 30 secondes, hein, là, il y a un 11, voilà. Voilà. Je me dis que ce qu'on vit actuellement, c'est un peu la résultante de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Et là, à mon sens, et je ne vous dis que ce que je ressens, hop, je ramasse mon écharpe, elle ne veut pas tenir. C'est la résultante en fait de tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant.
ou deux, pardon. Le téléphone n'est pas stable. C'est la résultante de tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. De tout ce qu'on a laissé faire parce que forcément, on n'était pas au courant. Et là, depuis des milliers d'années, au bout d'un moment, on perd un peu le fil de l'histoire et on ne sait plus à quel saint se vouer. Moi, mon cœur me dit, il n'y a qu'à une personne que tu peux te vouer, que tu peux laisser libre cours à ce qu'il te dit, c'est ton intuition, ton cœur. Eux te diront la vérité. Ah bah oui, là, les ronces ont repris. Les ronces ont repris. Ah, vous voyez, hein, voilà. Heureusement que je ne tiens pas les cheveux. Par contre, mon écharpe, il va être dans un drôle d'état quand on va rentrer. Ouais, c'est pas le problème. Je m'en fiche. C'est qu'une écharpe. Donc, je vous disais que c'est la résultante de ce que nous avons fait, de ce que nous avons dit, des actions qu'on a faites jusqu'à maintenant. Regardez, la preuve on est. Depuis qu'on est en confinement, je vous raconte pas de bêtises. La forêt a repris ses droits. La nature a repris ses droits. Bon, je vais finir par le mettre dans le sac parce que là, franchement, il commence sérieusement à m'enquiquiner si je dois être toutes les 5 minutes en train de tirer sur mon écharpe. Ça va pas le faire longtemps. Donc, on range. 30 secondes. Voilà. Il ne devrait plus m'embêter. Donc, je disais que c'était la résultante de ce qu'on a laissé faire jusqu'à maintenant, sans rien dire, parce que les gens n'étaient pas au courant qu'il fallait dire quoi que ce soit, parce que le système fabrique les lois, le système vote des lois, et tout ça, sans nous demander notre avis. Alors, toi, je parlais comme ça, puis je disais, ce serait cool quand même qu'avant qu'ils votent une loi, ils fassent un référendum, histoire de savoir si les citoyens, la population, étaient d'accord avec ces lois. Et on m'a répondu, tu réalises pas le nombre de lois qui votent, et donc tu... Enfin, qui crée. Et donc, ça serait impossible de faire un référendum vu que y a beaucoup trop de lois. J'ai dit, ils ont qu'à en faire moins. D'autant plus que... Tiens, on va aller par là. D'autant plus que les trois quarts des lois qu'on nous impose, c'est des lois qui sont pas bonnes pour nous. Elles sont pas bonnes pour nous. Elles vont à l'encontre de la vie. Elles vont à l'encontre de notre bien-être. Elles vont à l'encontre de l'être souverain que nous sommes. Donc, moi je sais que à la fin de ce confinement, il faudrait que les gens réalisent que, en fait, ils peuvent très bien vivre sans système. Ils peuvent très, très bien vivre sans système. Et qu'au final, le système n'est là que pour leur faire du mal. Et pas pour leur faire du bien. Ah, ils se font du bien à eux, hein, ça c'est indéniable. Hein. Pour ce qui est de nous, ça c'est une autre paire de manches. Donc je pense que, très sincèrement, c'est ce que me dit mon intuition et j'ai décidé de... J'ai décidé de suivre mon intuition et ça, vaille que vaille. Et pour reprendre les mots de notre petit monarque, quoi qu'il m'en coûte. Parce que lui, il a dit quoi qu'il en coûte, mais en fait, ce qui va en coûter, c'est à nous que ça va coûter, en fait, c'est pas à eux. Non.
eux, non, ça va pas leur coûter peanuts. Enfin, pas pour l'instant, en tout cas, parce que j'ai foi. J'ai foi, j'ai confiance. Et je pense que tôt ou tard, y aura un changement de situation. D'ailleurs, j'espère plutôt tôt que tard. Ça serait mieux, hein, parce que je pense que ça suffit les emmerdes. Je pense que on en a déjà assez bavé, consciemment ou inconsciemment, on en a déjà assez bavé. Et qu'il est temps, à présent, hein, que tous ces élites, toutes ces personnes qui vont à l'encontre de la vie, du bien-être de l'humanité, soient punies. Alors, je ne souhaite de mal à personne. Absolument personne. Je suis dans l'amour inconditionnel. Et franchement, je n'ai jamais, même à mon pire ennemi, je ne lui ai jamais souhaité ni la mort, ni quoi que ce soit. Enfin, c'est hors de mon point de vue, puisque je suis pour la vie. Je ne vais pas souhaiter la mort de quelqu'un. Je suis pour la vie. Néanmoins. Et je fais confiance à l'énergie divine du divin créateur. Néanmoins, j'espère, parce que ceux qui ont une âme, parce qu'il y en a hein, dans les élites qui ont des âmes encore, d'ailleurs ceux qui ont une conscience, on le voit hein, ils sont en train de changer leur fusil d'épaule. Ouais, histoire de pas en trop en prendre sur la gueule. Ouais. Mais bon, j'espère que néanmoins, malgré le fait qu'ils changent leur fusil d'épaule, et je pense que tout le monde a le droit à une deuxième chance. J'espère quand même que ils auront la punition qu'ils méritent. Ben oui. Nous, quand on fait des bêtises, on a des punitions. Les enfants, quand ils font des bêtises, ils ont des punitions. Pourquoi est-ce que des gens qui ont trahi toutes les lois de l'humanité, du vivant, pourquoi est-ce que des gens qui ont comploté contre les êtres que nous sommes, pourquoi ces gens-là ne seraient pas punis alors qu'on punit des enfants? Parce que ils sont en haut, c'est pas une raison. Ce n'est absolument pas une raison. Et là, on me dit, de toute façon, si vous voulez changer, si vous voulez que les choses changent, c'est à vous de les changer. C'est à nous de les changer. C'est à nous de montrer que oui, nous voulons que ça change. Et on commence par nous, par changer nous. C'est-à-dire, même si on est là pour faire, si on est incarné sur Terre pour faire l'expérience de la colère, de l'hypocrisie, de la trahison, de la méchanceté, ou qu'au contraire, on ait déjà fait toutes ces expériences-là et qu'on est là aujourd'hui incarné pour aider ceux qui sont dans le besoin à monter un palier et à aller au-devant, j'espère sincèrement que ces gens-là sont punis. Et ils seront punis si nous avons décidé de les punir. Parce que, alors je suis en train d'entendre là en même temps, on me dit, le confinement, c'est en fait pour nous donner l'occasion de changer. Bon, je vous l'ai déjà dit dans une nouvelle vidéo, dans cette vidéo, mais là, je l'entends et en connexion avec la forêt, la connexion est beaucoup plus intense. Et comme j'ai décidé de faire, comme je vous l'ai dit, faire confiance à mon intuition, donc je vous dis ce que je ressens. Après ce confinement, on aura le choix. Soit
Parce que le confinement va prendre à un moment donné, le confinement va s'arrêter. Hein, faut pas croire. Le système, il va pas attendre indéfiniment. Hein. À un moment donné, virus ou pas virus, hein, le confinement, il s'arrêtera. Bon. Alors, là, je suis en train de redescendre ce que je suis montée, ce que j'ai monté tout à l'heure. Donc, pour monter, ça a été, pour descendre, faut voir. Hein. Donc, je vous promets rien. Bref, j'ai conscience et on y va. Donc, après ce confinement, c'est à nous, de voir ce qu'on veut faire. Voilà. Alors, soit on reste attaché à ce système qui est en train de se casser la gueule, et on fait tout pour lui donner vie, hein, pour qu'elle continue, hein, ses bonnes et belles bêtises, et qu'il nous emmène vers un monde encore plus horrible et encore plein de choses ignobles, autres que ce qu'il y a maintenant, parce que c'est déjà assez ignoble hein, ce qui se passe en ce moment. Hein, regardez bien, ouvrez vos yeux, c'est déjà relativement ignoble ce qui se passe en ce moment. C'est même inimaginable et c'est au-delà de l'entente de ce que peut de ce qu'est capable de comprendre un être humain. Voilà, c'est à ce niveau-là. Et donc, comme je disais, soit on continue à faire vivre ce système qui nous vole nos enfants, qui amène nos enfants vers un monde horrible, où ils ne pourront plus penser d'eux-mêmes, où ça sera des robots, où ça sera encore pire que nous, des esclaves, parce que nous, pour l'instant, on a encore le droit d'ouvrir notre bouche. Enfin, certains ont encore le droit, d'autres... D'autres, on les met en prison, ou on les suicide, ou ils sont morts d'une maladie qu'on ne leur connaissait pas, mais bon, voilà. Et donc, ceux qui ne sont pas d'accord et qui veulent que vraiment il y ait un changement, eh bien, ça sera à eux d'agir. Alors, vous allez me dire, mais agir, oui, c'est bien, mais comment ? Désobéissance citoyenne. Désobéissance citoyenne. Refuser les lois. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, s'ils les votent sans qu'on soit au courant, comment les refuser ? Pas bête. Ben justement, vous pouvez les refuser en pas y adhérant. C'est tout. Moi, quand j'étais petite, et que je disais, oh là là, mais tu comprends, que je disais à des amis, oh, ouais, faut pas faire ça, c'est pas bien. Il hein. Y a des lois, hein. On peut te retrouver en prison. Hein. Et moi, on me répondait, tu sais quoi? Les lois, c'est fait pour être contournées. Il n'y a pas d'interdit. L'interdit, je sais pas si vous avez remarqué, mais plus les choses sont interdites, et plus on a envie de... On a envie d'explorer cet interdit et de comprendre pourquoi c'est interdit au final. Pourquoi on fait des lois qui soi-disant sont pour notre protection. Ah ben j'ai réussi, vous avez vu hein. Voilà. Voilà, j'ai réussi. Bah oui, je vous ai dit que je faisais confiance, donc j'ai réussi. Merci. Donc les lois sont faites pour être contournées. Et là, c'est là que la désobéissance citoyenne arrive. C'est que ben, contourner les lois. Les lois qui ne sont pas bonnes, on les contourne. Il y a plein. Ah voilà, ça vient encore. Il y a plein de choses sur internet en ce moment. Plein de liens. Plein de sites qui vous disent comment contourner les lois. Bah oui. Alors autant profiter. Hein. Pourquoi? Vous avez des textes, si vous allez dans les bons sites, vous avez des formulaires que vous pouvez remplir pour ne pas accéder, pour ne pas accepter ces lois et dire pourquoi vous ne les acceptez pas. Bon.
Je vous dis pas que ça sera un quart d'heure de plaisir, hein, parce que une fois que vous allez être confronté au système, et si vous lui donnez vie, enfin si vous faites partie de ceux qui leur donnent vie, ça sera très simple pour eux, hein, ils continueront leur vie tranquillou bilou, sans problème. Par contre, ceux qui ont décidé de ne pas leur donner vie et de reprendre leur souveraineté, chose que c'est marrant parce que autant les gens sont contre le système et qu'ils acceptent de moins en moins ce qui se passe, autant à côté de ça, ils ont du mal à comprendre qu'ils sont des êtres créateurs souverains et qu'ils ont le droit de refuser ce qui n'est pas bon pour eux. C'est hallucinant, hein? Et, bah ouais, mais c'est comme ça. Bon. Hein? Après, moi, il a fallu que j'arrive à 50 ans pour le comprendre. Enfin, 50 ans. Je raconte des bêtises. Un peu moins, quoi. Un peu plus, quand même. Enfin, non, un peu moins, oui. Parce que, bien avant 50 ans. Et d'ailleurs, quand j'en ai pris conscience, j'ai subi une sorte de burn-out. Ouais. Parce que ça a été très... Mais quand je vous dis burn-out, c'était vraiment un burn-out. Mais ma famille a eu peur pour moi. Je n'avais plus goût à rien. La vie m'indifférait. Je n'étais plus sûre de rien. J'étais même pas sûre de vouloir rester en vie, d'ailleurs, c'est pour vous dire. Moi qui aime tant la vie, j'étais même pas sûre de vouloir rester en vie. Bon, alors là, je sais pas. Il va peut-être falloir qu'on fasse ça. Ça nous emmène où, ça? Ben, au final, hein, je fais peut-être conscience, mais là, ça fait un peu haut. Hein. Voilà. Là, ça fait un peu haut. Donc, tiens, si vous pouvez profiter du paillon. Et puis, du soleil, hein, tant qu'à faire. Où est-ce qu'il est ? Là-haut. Voilà. Bon, ben, on va trouver un chemin, hein, pour aller. Donc, comme je vous disais, ça va pas être facile pour les gens qui feront de la désobéissance citoyenne. Ça va pas être facile parce qu'ils risquent de perdre beaucoup. Enfin, quand je dis beaucoup, oui et non, parce que ça dépend où on se place. Si les gens ont peur de perdre leur maison, alors attendez, là je change de main parce qu'il va falloir quand même que je me crée une place, s'il vous plaît, les enfants. Laissez-moi passer. Merci. Ah ben non, mais toi, s'il te plaît. Voilà, c'est bien, merci. Donc, si les êtres vivants souverains vont vouloir... Allez, on monte encore un coup. Vont vouloir faire de la désobéissance citoyenne, ça va pas être facile, hein. Parce que ils vont perdre, ils risquent, tout dépend de ce qu'ils font vivre en eux. Ils risquent de perdre beaucoup, ou pas du tout. Ça dépend de ce qu'ils font vivre. Ça dépend de ce qu'ils alimentent. Soit ils alimentent les bonnes choses, l'amour et tout ce qui s'ensuit. Et là, pour le coup, ça va être plus soft. Ou pas. À voir. Quoi qu'il en soit, ce confinement est là pour nous aider à voir plus clair. Est là pour nous aider à comprendre certaines choses. Est là pour nous montrer certaines vérités. Ah ben voilà, me voilà au point de départ. J'ai fait le... Je suis passée par là tout à l'heure. J'ai fait le grand tour. Hein. Ouais. Bon.
Alors, tout ça pour vous dire que profitez de ce confinement, non pas pour vous sentir, non pas pour vous sentir en prison, parce que vous n'êtes pas en prison, non pas pour vous sentir en guerre contre quoi que ce soit ou qui que ce soit, mais juste pour être avec vous, pour être bien, pour profiter des bonnes choses de la vie dont vous n'avez pas pu profiter avant, pour profiter du bonheur familial pour ceux qui ont une famille, des enfants. Ah, c'est pas toujours facile, ben non, parce que on a été tellement programmé à dire aux enfants, allez, c'est bon, fous-moi la paix, on verra ça plus tard. Ben non. En fait, c'est maintenant qu'il faut le voir. Ouais. C'est maintenant qu'il faut comprendre. C'est maintenant qu'il faut faire les choses. C'est maintenant qu'il faut prendre conscience. Parce que ce confinement est là pour ça. Prendre conscience. Voilà. Donc, ah, puis, je voulais pas, hein, je voulais pas, mais ça revient sans arrêt, donc il va falloir que je vous en parle quand même. La méditation qui a eu lieu, ou pas, je sais pas, je suis pas informée, je suis pas au courant. Je sais pas qui l'a fait, l'a pas fait, et peu m'importe. Je l'ai pas faite. Non. Je l'ai pas faite. Parce que, après information, enfin, mon cœur me disait déjà, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Et donc, ben, je me suis dit, mais ça sent pas bon, d'accord, mais je vais quand même, je voudrais quand même savoir pourquoi ça sent pas bon. Et ben là, j'ai pas eu besoin de chercher longtemps parce que je vous dis, quand vous demandez à la source, quand vous demandez à votre cœur, quand vous posez les bonnes questions, ils vous répondent. Peut-être pas directement par voix, mais ils vous apportent, ils vous montrent par des moyens divers. Alors ceux qui ont internet, ça peut être via internet, ça peut être via une personne qui est en train de vous parler à quelqu'un d'autre et que vous entendez le mot qui va bien. Bah moi ça a été via des abonnés de YouTube et qui finalement ce qu'ils disaient ça résonnait, mais alors à 200% avec ce que je pensais. Ça m'a confortée dans le sens où je me suis dit que finalement, fallait que, à tout prix, que je fasse, comment dirais-je, confiance. Confiance à mon intuition, parce que quand mon cœur me dit, attention, ça pue, et ben finalement, c'est que ça sent pas bon. Alors, je ne porte aucun jugement sur les gens qui ont fait leur méditation, parce qu'ils l'ont fait en toute bonne foi, en tout bon cœur, et que peut-être avec l'aide du Créateur, cette méditation a pu changer des choses, peut-être. Sauf que aussi j'ai entendu que le Christ avait dit, partagez mes paroles, mais pas plus de 2 ou 3 ensemble, par petits groupes. Donc, des méditations comme ça, elles sont très bien à faire, mais par petits groupes. Non pas toute une, un monde entier, j'allais dire une collectivité, mais dans ce que je ressens, collectivité, ça a un sens beaucoup plus... C'est pas le mot exact. C'est un mot qui est bien en deçà de ce que je ressens et de ce qu'on me dit.
Je sais pas si vous le voyez, le papillon. C'est un papillon jaune. Papillon jaune. Donc c'est au-delà. Et quand le cœur... Et vous voyez, le cœur n'impose pas. Le cœur n'impose pas, il n'impose pas. Juste, il te dit, fais attention à ci, fais attention à ça. Mais il n'impose pas. C'est à vous de savoir ce que vous devez faire ou pas. Mais les ressentis que j'avais vis-à-vis de cette méditation étaient tellement pas bons, en fait. Me crier de toutes ses forces, le fais pas, le fais pas. Bon, ça tombe bien parce que de toute façon, j'avais pas l'intention de le faire. Parce que je suis contre ces méditations groupées. Voilà, groupées. Je ne suis pas pour. Et je n'adhère pas. Je pense qu'une méditation, quelle qu'elle soit, doit être... Enfin, ce n'est que mon avis personnel. Hein. Une méditation, quelle qu'elle soit, doit être justement personnelle. Voilà. Ça doit être du cœur à cœur et non pas une imposition. Parce que là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais presque, on vous aurait dit si tu ne la fais pas, c'est que tu ne veux pas que ça change. Donc, en plus, on nous rend fautifs, on nous rend coupables, on nous culpabilise de ne pas suivre notre cœur. C'est hallucinant, hein? Et après, on va nous dire que c'est une méditation pour le bien. Alors, on n'a peut-être pas la même définition du bien. Peut-être. On n'a peut-être pas la même définition des méditations. On n'a peut-être pas les mêmes... Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, voilà. Écoutez, je crois que... Mes messages sont passés. Et je fais maintenant confiance à mon intuition, à mon cœur. Enfin, le plus possible en tout cas. De plus en plus. Et quand il me dit ça pue, c'est que ça pue. C'est même pas la peine d'aller chercher plus loin. Quand votre intuition vous dit, écoute... Fais ce que tu veux, mais moi, je pense que ça pue. Soit vous faites ce que vous voulez, c'est-à-dire vous allez au-delà et puis, on verra bien. Soit vous cherchez pas à comprendre et vous la suivez. Ça pue, j'y vais pas. Voilà. Puisqu'au final, lui seul le sait. Votre cœur, qui est relié à votre âme, qui elle-même est votre instinct primaire, votre instinct de survie, et qui tous sont reliés à l'énergie divine de la source. Donc voilà, en partant de là, chacun fait comme il l'entend, chacun fait comme il le sent, et avec tout ça, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche 5 avril 2020. Toujours en confinement et toujours en apprentissage de soi. Voilà. À bientôt.